Bonjour à tous, aujourd'hui présentation du Nerf Elite Stratogo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un arc. Alors la particularité d'avoir un chargeur 15 fléchettes, donc il est livré avec ses 15 fléchettes bien sûr. Bon, on va le charger pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc on lui met les 15 fléchettes comme ça, c'est tout simple. Mais ça prend un peu de temps. Bien les enfoncer, autrement ils partent pas. Plus que 3. Voilà. Donc le système, c'est que à chaque fois qu'on tire sur la corde, ça fait monter le chargeur. Alors, comme vous voyez, le chargeur monte et les fléchettes partent pas. C'est quand ils partent, il faut lâcher un coup sec. Donc, par contre, à chaque fois, il faut baisser le chargeur en bas si vous voulez commencer par celle du haut. Donc, après, vous faites comme ça. Un coup. Plus vous tirez fort, plus vous lâchez rapidement, plus il part loin. Ça marche plutôt pas mal. Donc, je vais aller faire les tests en extérieur pour voir à quelle distance ça va. Ah oui, j'ai oublié juste de vous dire qu'il y a un petit indicateur ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, je pense pas. Quand je tire, en fait, ça fait un petit point rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, je vais faire les tests en extérieur. A tout de suite. Test du Nerf Stratobo. Donc les tirs sont plutôt groupés. La moins loin, bon, il y en a trois à peu près à la même distance. Deux là-bas et une ici. À 9,20 m. Ensuite, ils sont à peu près. Ouais. On va dire entre 10 mètres et 13 mètres. Il y a pratiquement toutes. Ils sont pratiquement toutes par là. Les deux, il y en a deux là, ici, ils sont à 13 mètres. 40. Il y en a deux qui ont été un peu plus loin. Il y en a une ici. 15 mètres 60. Et là plus loin. 17 mètres 40. Donc après les tests extérieurs, vous avez pu voir que ça va vers les 12-13 mètres dans ces eaux-là. Alors que sur la boîte, ils annonçaient, alors c'est marqué où? Ici, 26 mètres. Alors je ne sais pas pourquoi Nerf indique des distances comme ça, mais bon, de la 12-13 mètres pour un arc, c'est vraiment très très bien. Pour moi, c'est le meilleur arc Nerf parce qu'il a le chargeur de 15 fléchettes. C'est vraiment sympa, on peut vraiment s'en servir comme blaster. C'est pas un blaster, c'est un arc, mais comme arme principale. Ce qui est bien aussi, c'est que les enfants, j'ai moi un petit neveu de 4 ans qui n'arrive pas à charger les autres nerfs quand c'est des flingues avec, avec un ressort en fait. Il n'y arrive pas, tandis que celui-là, il adore. C'est vraiment pas dur à tirer la corde et il adore ça. Donc voilà. Donc moi je le conseille, c'est vraiment un bon petit nerf. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, un pouce bleu et pensez à partager la vidéo ou à vous abonner. Allez, à plus!